Bonsoir Valérie. Bonsoir Françoise. Valérie, merci d'accueillir les Malouins dans la course dans ton très bel établissement, un beau magasin de la rue Villepépin, des mains en or. Mais c'est extraordinaire ça. Alors qu'est-ce que tu proposes à tous tes clients? Eh bien, je propose beaucoup de choses à faire. Donc, c'est du loisir créatif, c'est des choses à créer. Donc, on a bien sûr une partie vente avec plein de maquettes, de choses à monter, mais bien sûr de la peinture, des pinceaux, avec une majorité des produits que je propose qui sont de fabrication bretonne. Voilà. Et ensuite, après. Comme par exemple. Alors, comme par exemple, nous avons les produits Agent Pepper qui sont des têtes en trois dimensions qui sont fabriquées à Rennes et qui ont un vif succès. Très belle tête de cheval là-haut. Exactement. On a aussi tout ce qui est pinceaux, qui sont les pinceaux Léonard fabriqués à Saint-Brieuc, et la peinture Sennelier qui est fabriquée également à Saint-Brieuc. Alors, il y a des produits vedettes, hein, comme juste derrière toi, il y en a. Tout à fait. Alors, le produit vedette en ce moment, c'est vraiment ça. Ce sont les maquettes Ugirs qui fonctionnent, qui sont faciles à monter. Il n'y a pas besoin de colle, tout est prédécoupé et surtout, ça fonctionne, ça avance, ça va tourner, ça va. Voilà, les voitures vont avancer, les roues vont tourner. C'est vraiment magique et ça plaît énormément. Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est une boîte de Pandore, hein. Quand on l'ouvre, ça ne s'arrête plus chez toi. C'est Et il y ça. a aussi beaucoup d'ateliers. Exactement. Bon, je suis une créative, donc forcément, il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc, l'activité principale des mains en or, c'est surtout les ateliers. Donc, ils sont adressés aussi bien aux enfants, mais aussi aux adultes. On en a autant qui viennent que les enfants, avec des ateliers de peinture, de dessin, de couture, qui sont en ce moment l'activité phare, et de modèles vivants. Nous allons aussi avoir des bouquets que nous allons faire. Nous allons avoir de la photo, donc extrêmement variée. Alors, si nous sommes ensemble ce soir, c'est parce que en trait d'union, nous avons le salon donc des comités d'entreprise Tout à organisés par fait. la Fédération du commerce du pays de Saint-Malo. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, en tant que commerçante en adhérant à cette fédération? Alors, en tant qu'adhérente, la fédération apporte un dynamisme, en fait. On va avoir pas mal d'événements, on va proposer des choses aux clients, comme par exemple, dans quelques jours, nous aurons des tickets à gagner pour aller faire des baptêmes en voiture ancienne. Nous allons décorer la rue, nous avons plein d'événements, nous en avons eu à Noël. Donc, c'est vraiment un dynamisme. Et puis, c'est aussi une solidarité entre nous tous qui est importante. Et toi en particulier, tu es vraiment intéressée aussi par ce salon. Alors là, en tant que commerçante propre, pour proposer aussi eh bien, tes services. Tout à fait. Donc dans le salon, j'y vais bien sûr pour la boutique et les ateliers, mais je propose d'autres choses au niveau des entreprises. Donc j'anime des événements du style fête de fin d'année, Noël, mais aussi des animations style team building, de la motivation pour les salariés. On peut faire beaucoup de choses par rapport à l'art. On peut même recruter grâce à l'art. Donc vraiment beaucoup de choses à proposer aux entreprises et donc au CE. Valérie, eh bien tu es une top Malouine dans la course. Je te souhaite une très bonne soirée. Nous nous reverrons, eh bien c'est à Saint-Jouan. On verra un peu tout le monde là-bas sur place. Et surtout, on ira cette fois rencontrer Jacques Golivet. Et voilà, il Notre cher conclura. président. Voilà, il conclura tout ça. Merci beaucoup, merci. Merci.